Hello la people team, bienvenue encore sur le plateau de vos plus grandes stars guinéennes d'Afrique et d'ailleurs. Ici même vous retrouvez les news, les actualités, les gossips, le tout en un. Vous parlez aussi de vos stars sur le plateau. C'est vous qui animez cette émission. Bienvenue à tous, on enchaîne avec vos premières news. Mohamed Djabi est un romantique doué. Sa déclaration palpitante à la chanteuse Kouruni Djelly, et ben c'est le couple people malien du moment. Regardez la vidéo qui a fait buzz sur Facebook. Ibrahima Kanté out pour 2 mois, à peine de retour dans la compétition. Le milieu de terrain guinéen Ibrahima Kanté s'est blessé avec Anderlecht dans la rencontre opposant son équipe à la Gantoise. Et ben, selon les informations, le milieu guinéen devrait être opéré au ménisque après cette blessure. Mfali Kouyaté, concert en live totalement théâtral à Bruxelles dans l'ancienne Belgique avec une salle comble. Le chanteur interprète en live Mea Change. Il s'agit d'une véritable chanson d'amour. Regardez. Takana Zion, concert inédit à Rabat. Takana a mis le paquet le 7 février dernier à Rabat au Awards Nightclub, un showcase inédit qui laissait le public dans l'émerveillement. Comme il sait bien le faire, son public de Rabat était aux anges. Pour le 14 février, Takana a offert un concert live dans un espace privé de la place. Angélique Kidjo rafle son 2e Grammy pour son album à l'honneur des femmes. La chanteuse a obtenu son 2e Grammy. C'est fière qu'elle partageait ses moments avec ses fans. On l'a vu poser aux côtés du chanteur John Legend. Angélique reste jeune dans l'esprit. Soul Banks chante encore l'amour, cette fois en acoustique. L'R&B boss s'était livré à une session de déclaration en buzz sur la toile. Pour ceux qui aient du look emprunté le vendredi dernier, on peut dire tout simplement que l'homme s'est retrouvé avec une identité vestimentaire plutôt extraordinaire. Un homme élégant, il était bien évidemment dans ses différentes tenues arborées africaines.
Le magnifique, c'est la réconciliation avec Yaya Touré. L'artiste comédien ivoirien était l'un des plus heureux lors de la réception des éléphants de la Côte d'Ivoire. Gagnant-gagnant, eh ben oui, grand gagnant de la Cannes 2015, ignoré par Yaya Touré pour avoir chanté pas en sa faveur. Le chanteur comédien a fini par avoir sa petite poignée de main avec comme commentaire « Maintenant, il faut changer la musique ». On aura compris que Yaya n'oublie pas vite. Merci Capi, ouais, je suis un Jaé. Merci beaucoup. Merci Capi, merci, tu es béni. Merci beaucoup. Oui, je change ça même, je change le son. Kankun Kandé était en concert à Paris avec un management de Dia Productions. Kankun Kandé et son époux se produisaient en concert le 14 février dernier, date fatidique pour les fervents amoureux. Révivez dans un extrait la répétition. Mariage civil romantique. Le célèbre communicateur journaliste guinéen a célébré son mariage civil ce mois à Paris. Un homme heureux, il était quelques pas de danse avec son épouse ici. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas levés depuis tout à l'heure. Je vous prête. Magic System était en concert au Congo Brazzaville le 14 février dernier au stade Massamba. Toujours entre deux vols, les magiciens portent toujours en eux l'amour fou pour leur public du monde. Arafat DJ, sa définition de la Saint-Valentin. Les amoureux fêtaient le 14 février 2014. Arafat, l'homme du buzz, a tenu à partager ce moment avec certains tout en donnant une astuce explicative. Ça s'appelle du dégamage. Ok, petit dégamage. Oui, les gars, ce samedi 14 février 2015, toutes les filles que vous allez voir seules, sans gars, c'est que c'est des maîtresses. Parce que tous ceux qui seront avec leur go, c'est que c'est des professeuses. Ah oui. Donc, champion, si tu as trop d'ego, ferme ton laléomien, prends une nouvelle puce et fais-toi toujours belle comme Yoro. C'est le nouveau slogan. Ah, je suis belle, hein. Kobele Evans, bientôt papa, après la naissance de leur petit garçon, son épouse Aïcha Dia Kobele est encore enceinte. Le couple fonce à vive allure l'amour au beau fixe. Fode Kweta et Miss Awabari, enfin mariés, la cérémonie religieuse s'est déroulée à Montréal. Lui champion de foot en 2012, elle championne de beauté en 2012. Le couple des victorieux est enfin uni par les liens sacrés. On espère être invité pour le mariage civil qui s'annonce pompeux. Gianni Alpha a visité Barcelone et s'est rendu au FC Barcelone ce mois. L'artiste rappeur est en séjour en ce moment en Europe. Il prépare son nouvel album. C'est avec son manager Billy Abba qu'il effectue ce séjour européen, la pleine forme. Il profite du voyage et lâche pas prise pour la préparation de son nouvel album. Deco, en fiston heureux, son mentor Malik Kébé a passé un long séjour à ses côtés en Autriche. Visite de son club, dîner en famille, rencontre avec des professionnels. Malik n'a pas de répit. Depuis sa libération, il a que du temps pour le travail. Deco a eu droit à un anniversaire surprise pour souffler son gâteau de ses 20 ans. Pige! Happy birthday aux joueurs! Après cette partie de news, bien évidemment, on enchaîne avec vos deux premiers hits. Mes chers téléspectateurs, mes doudous, et ben c'est les hits de Mono Musica et de l'artiste Albert Kekson qui prépare un album. Albert Kekson arrive bientôt avec son album Katrina. Mono Musica prépare des surprises et ils vont faire un tube. Sa danse Parengari, la mauvaise danse. Regardez. Go, Awa, 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 awa.
Pekacho, ma Didi, Arbardi, c'est le retour du Messi, ma Didi, Arbardi, poulet à la Niki, ma Didi, Arbardi, c'est pas Paris, c'est quand la crise, ma Didi, Arbardi, veulent tous rapper, tous rapper, veulent tous chanter, tous chanter, tous défier, tous défier, le Messi, ah bon, tu rappes toi, tu rappes toi, oh no, oh no, j'te crois pas, ok. J'y vais, un négro, ouais, négro, j'y vais. Vous avez sans doute dansé. Et ben moi, je vous aime bien quand vous dansez dans vos salons à la maison tranquille. Cette fois-ci, on fait appel à celle qu'on appelle Dima Keita, la subliminale. Elle parle à la rencontre des stars qui font objet de l'honneur. Cette fois-ci, c'est la grande surprise parce que c'était extraordinaire. Regardez un peu. Bonjour à tous et bienvenue dans On se mêle de tout. On se mêle de tout reçoit ce matin Mukhtar Sako du groupe Instinct Killer. Alors ce matin je le reçois, c'est pour parler d'une rumeur qui court après Mukhtar. Déjà, on va aller très vite. Il fait très froid, je ne vais pas trop le retenir dehors. Mukhtar, comment vas-tu? Ouais, ça va bien, super bien. Mukhtar Sako et le Stabak pour les fans. Et le froid, tu supportes ou pas? Ça caille. Eh bien, ça caillotte, chose qui est confirmée par Mukhtar aussi. Alors, je le rencontre ce matin, c'est pour en débattre un peu d'une rumeur qui dit que ta présence à Paris est liée à une femme et que tu n'aurais même plus envie de retourner à Conakry. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Non, je sais, les gens ils n'arrêtent pas de gueuler, ça gueule partout là, you know, c'est pas seulement à Conakry. Oh bah ouais, ouais, fait, you know. Et ouais, ouais, fait. Et voyez, voyez, nous, c'est pas ça actuellement notre vocation primordiale. Instinct Killers, notre vocation, c'est de promouvoir la culture guinéenne, c'est de vendre notre culture, notre image là sur le plan international. Pas venir en Guinée ou en Europe pour s'exiler ou partir en Amérique pour s'exiler. Je suis là dans un cadre professionnel, je suis là pour mon groupe, je ne suis pas là pour me marier. Bien sûr, je vais me marier, c'est normal comme tout le monde. Mais pour l'instant là, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour des trucs professionnels, pour Instinct Killers, pour la musique urbaine. You know, ben arrêtez de parler un peu. Arrêtez de parler. Donc voilà ce qui est clair pour tout le monde. Mukhtar Sako, il est là par rapport à la promotion de la culture guinéenne hors de ses frontières, par rapport à la promotion de son groupe Instinct Killer. Moi d'ailleurs, je l'appelle en ce moment Monsieur Kolokati parce que c'est un titre qui cartonne fort fort. Alors, voilà, c'est bien clair pour vous. Alors, il n'est pas là pour une femme, c'est pour la promotion de notre culture guinéenne. Alors, on se reprend très vite. La rétrospective people, ça continue avec Madu. Merci à Dima Keita et Lil Sako. Bon bah en gros Lil Sako, de toute façon il n'aime pas les rumeurs. Il a fait à sa façon pour vous répondre. Et ben maintenant on enchaîne avec vos agendas. Place à votre agenda, voici donc les événements à noter et à ne pas louper absolument. C'est Kuba Kanja et son Atata en face à face. L'événement se tiendra le 14 février prochain à la salle Dar Salam avec Alpha Jodara, une signature de Africa Entertainment de Bengali. Killa Mike en concert de soutien le 28 février prochain à Tombo à l'occasion de la sortie de son tout premier album solo bientôt. Antoine Flingo prépare un nouveau clip. Quelques images gossip pour annoncer ce clip traditionnel magnifique. Candé Kanté et Malto Kamisoko en concert live le 7 mars prochain. Ça se passe à Bruxelles. Amadou Sodia prépare un nouveau clip. Bientôt disponible, une réalisation de Bakayoko Movie. Ça parle de paix. Méthodique prépare un retour. Enfin de nouveau ensemble depuis plus d'un an, le groupe a annoncé son retour. Un album se prépare et sera bientôt dévoilé en Europe.
Mori Kanté était aussi à Malabo, mais cette fois pour la clôture de la CAN. L'international guinéen y était avec sa fille chanteuse choriste Tina Kanté et tout son orchestre. C'était un magnifique concert. Les talents s'y découvrent sur le plateau de la rétrospective People. Cette fois-ci, on a rencontré un jeune talent peintre. C'est un artiste né. Il adore la peinture. Regardez un peu le reportage. Ma passion pour la peinture, en fait, elle a débuté il y a très longtemps. Je peins depuis l'âge de... Oui, c'est ça, depuis l'âge de 4 ans, en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur, quoi. Et c'est quelque chose, en fait, que on ne peut pas forcément décrire avec des mots. Parce qu'en fait, quand je peins, je me sens relax, on va dire, tranquille, dans la tête, tout ça. Par exemple, quand je suis énervé pour me calmer, si je dessine ou que je fasse un tableau, je me sens complètement relax à la fin. L'objectif, déjà, ce serait de me faire connaître à travers le monde, si possible. Bon, je suis un tout petit peu connu dans certaines villes d'Angleterre et en Guinée aussi, ça commence à se faire. Un de mes rêves déjà, ce serait à travers mes œuvres de pouvoir valoriser, montrer un peu les valeurs de l'Afrique en fait. Alors pour le mot de la fin, je dirais à tous les jeunes artistes, tous ceux qui se sentent artistes en eux, qu'ils poursuivent leurs rêves, qu'ils n'écoutent pas trop les gens qui les découragent. Et surtout même au niveau de la famille, si la famille ne vous encourage pas trop dans ce domaine, ben, si vous sentez que vous pouvez le faire, allez jusqu'au bout, quoi. Mais après, on verra. J'ai ma star, tu as ta star, nous avons notre star. Et ben maintenant, c'est à vous d'animer cette émission parce qu'on part à votre rencontre et vous nous parlez de votre star. Ma star, c'est votre rubrique maintenant. Bonjour tout le monde, c'est Fatou depuis le Maroc. Alors, je suis heureuse de participer à l'émission La Rétrospective. Je vais parler de ma star préférée. Bon, ma star du moment, pour l'instant, c'est Kandja Kora. Je l'aime beaucoup, je l'adore. J'aime sa voix parce qu'il me rappelle un peu le pays et tout. Surtout avec son petit piercing, je l'adore. Surtout sa musique, Djenab Mansari, j'adore. Ça me met bien, cette musique. Donc, voilà. Je suis en licence management, finance. Je compte faire carrière en banque, une fois au pays, bien sûr. Et voilà, je vais profiter de cette émission pour faire un petit coucou à ma famille. Je vous aime, je vous adore. Bisous. Merci à cette fanatique de celui qu'on appelle Kandja Kora. Elle adore son chanteur. Et si vous avez envie de participer à cette émission, faites retrospectivepeople@gmail.com et inscrivez-vous. À présent, place à vos news. La suite de vos news avec Sayom Bamba qui nous parlait de son amoureux sur Facebook. Son amoureux, vous vous posez la question, c'est le micro. C'est bien ce que nous a déclaré la chanteuse sur sa page Facebook, même si Kamaldine ne semblait pas d'accord. Sayo est une artiste hors pair. Wadol, encore une photo avec ses jumeaux Gossip, magnifique. Oumar Kalaban, de nouveau papa, sa femme a accouché d'un super petit garçon qui semble avoir déjà de nombreuses candidates. Félicitations au couple. Singila, sa tournée en marche après la Guinée équatoriale, s'était embarqué ce mois-ci à Ouagadougou où il s'est produit. Le Rossignol fait le tour des capitales festives pour la promotion de son nouvel album, une venue en Guinée peu probable. Deux HR, à quand un mariage? Ces chanteurs sont pas prêts à se marier, ils attendent le saut d'un d'entre eux. Mais bien évidemment, quand se fera ce saut? Soyez patients pour participer au mariage d'un ami proche du groupe Akidia, Kra de l'Asia et tout le groupe en panne de voiture ont fait leur petit délire. Regardez. On est venu à Kindia quoi, avec toute l'équipe you know, pour le mariage de notre ami Alassane. Bientôt, c'est Patrick qui doit se marier avec qui? Point d'interrogation. Viens dans le mariage, mais avec qui? Point d'interrogation. You see your boy Patrick on the beat. That's what's up. En route pour Kindia. Mais Patrick, une question. Rien que pour une le question, mariage une de question. Notre grand frère Alassane Doumbouya. Patrick, le mariage c'est quand? Je vous ai trouvé ici, quand? Voilà. Oui, mais nous on est trop petits pour le mariage. Mariez-vous d'abord. Non, toi, est-ce que tu as trouvé quelqu'un d'abord? Quelqu'un, quand? Oui, t'as trouvé quelqu'un. Occupez-vous de vous.
Miss Afrique 2015, Aïcha Barry a été élue Miss Afrique 2015 à Rennes avec son projet de lutte contre l'excision. Une autre Guinéenne qui fait la fierté. Copa Barry, sa visite surprise en Guinée, c'est l'homme du match Côte d'Ivoire gagnant, le précurseur de la belle victoire ivoirienne. Après avoir été critiqué, l'homme n'a pas été insensible au micro de Canal+. On pouvait le voir en larmes et parlant de sa mère. On peut tomber d'ailleurs sur des parodies de cette vidéo. Néanmoins, après le retour triomphal à Abidjan avec toute l'équipe, Copa s'est embarqué dans le même vol que Fatou Histo, la sublime fille du producteur Histo Kira qui prévoit aussi de faire carrière dans le monde culturel comme son père. C'est bien évidemment à 14h30 le 11 février qu'ils ont atterri à Conakry. Il a aussi eu droit à un bain de foule à Kipé dans un restaurant ivoirien. Copa est un Guinéen fier au fond. Ousmane Kouyaté en vacances à Dakar, le frère de l'artiste Kandjakora est en séjour en Afrique. C'est en famille, très heureux dans les bras de maman et de sa sœur qu'on pouvait l'apercevoir. Il sera de retour bientôt à Paris pour la suite de sa jam session. Serie Djié, nouveau club, l'international ivoirien vient de signer à Stuttgart. Rabi Baldé, première dauphine Miss Afrique Montréal, c'est une bonne nouvelle pour la Guinée. Elle a fièrement représenté la beauté guinéenne. Félicitations à Rabi. Killa Mike et son fils. Le petit garçon du chanteur prend de l'élan et grandit assez vite. Il rend heureux ses parents. Voici donc leur première photo à deux officiels. Gossip, et bien ça met fin à vos news du jour. Gros, j'adore bien quand c'est les news sur vos stars, tout simplement. Merci à Kilamek pour cette sublime photo avec son petit garçon. À présent, c'est mon moment que j'appréhende toujours. Je ne sais pas quelle star peut bien m'accueillir et comment elle réagira avec les questions fumeuses. En tout cas, on y va à la rencontre de cette nouvelle star de votre émission, la retrospective People. Star It, c'est maintenant. Sur le plateau de la rétrospective à People, on retrouve vos plus grandes stars guinéennes. Et quand il s'agit de stars, ce n'est pas seulement les artistes, il y a aussi les foot. Ici, on est à la rencontre de celui qui nous permet de stopper tous les buts là, des camps adverses. Il s'agit de Japonais. Salut. Salut. Ça va? Oui. Bon, dis-moi, comment tu fais pour bloquer les ballons? Comment je fais pour bloquer les ballons? C'est les entraînements. Et surtout les entraînements, voilà. D'accord. Alors parle-moi un peu de ton année 2014. Quelle analyse tu fais de ton parcours en 2014? Sur mon parcours de 2014, je pense que le début de championnat, ça a été. Et après, c'était un peu compliqué. Mais voilà, pour l'instant. Compliqué comment? Compliqué sur le plan de football et tout, dans le club. Vu notre situation de maintenant, on est lanterne rouge du championnat, ben je parle par rapport à ça. D'accord. Parle-moi de ta technique, en fait. Moi, je parle de la technique. Comment tu fais pour stopper les ballons? Tu vois, c'est fort. Moi, je peux pas stopper un ballon, quoi. Mmh. Voilà, mais je veux bien savoir comment tu t'y prends pour et les téléspectateurs aussi, peut-être. Ben, y a pas de technique. C'est les entraînements. D'accord. Et écouter les entraîneurs, c'est tout. D'où t'es venue la passion de devenir gardien? La passion, c'est... En fait, avant, j'avais un frère à moi qui est décédé, qui était gardien de but. Avant, je n'étais pas gardien de but, j'étais dans le champ comme les autres. Ben, par rapport à lui, à ses prestations et tout, je voulais être gardien de but. Quelle a été ta plus belle performance depuis le début de ta carrière? Quel match t'a vraiment marqué, au fait? Ben, pour l'instant, tous les matchs me marque et ben voilà, j'ai passé des bons moments et des moments difficiles, tout ça c'est quelque chose de marquant, voilà. D'accord. Japonais, je sais qu'en général tu n'aimes pas parler de ça, mais j'ai appris que tu vas te marier bientôt, en 2016. Oui ou non? Je vais me marier bientôt, oui, je vais me marier bientôt. Bon, c'est quoi ton type de femme? Une femme simple, pas compliquée. Pas compliqué, c'est-à-dire méchante, rigoureuse, autoritaire? Ben, la femme qui me comprend. Voilà. C'est tout. C'est tout. Bon, d'accord, c'est tout sur le plateau ici. On a un Japonais qui a en tout cas marqué le football guinéen par ses prouesses. Ça nous fait plaisir de le retrouver sur le plateau de la rétrospective à People. On te dira merci d'être venu. Merci à vous aussi et merci au public. Au revoir. Au revoir. Et oui, mes chers téléspectateurs, je vais vous quitter, mais on se retrouve très prochainement. Je vous laisse avec ces super hits. On se retrouve bientôt. Merci à nos partenaires.
partenaire Safico. Tout simplement, on remercie Conakry People. Vous retrouvez en podcast l'émission ici même. Et oui, RTG, la chaîne nationale. Restez connectés. Bye bye. Yo, il s'appelle Bertrand Clou. Je m'en fous du Congo sang. Je m'en fous du saccage. Je m'en fous du sabotage. Et même la jalousie. Amosiano, mon ampoule grillée. Demandons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Critiquer dans tous les bas des cortiques.